Comment c'est le bien de la finir en route. Alors on se retrouve pour la partie numéro 2. Donc on allait faire le côté derrière. Donc j'ai pris cette feuille là, toujours dans le bloc chez Tonton Ali, qu'on a utilisé pour faire le reste. Alors là j'utilise la feuille en entier, on va faire un peu différemment. Et on va la coller en entier et je couperai ce qu'il y a besoin. Comme ça, on va cacher tout derrière. J'ai tellement de ciseaux que je ne sais plus lesquels. Hop. Donc là, je vais couper autour. Voilà. Là, je coupe. En fait, je suis le filtre à café et je coupe. Ok, et il reste un bout. Voilà pourquoi j'ai ancré avant. Bon, je sais pas combien de paires de ciseaux j'arrive. Bon, bien sûr, on garde les bouts. Donc voilà ce que ça donne déjà. Et pour l'autre morceau, donc, on va utiliser la chute. Alors, attends. Voilà. Donc, pareil, je vais coller. On va faire un peu comme un patchwork, mais qui n'aura pas de sens. Pas droit, voilà, oui, hop, comme le papier est un peu voilà, par contre c'est voilà, on va faire comme ça, c'est comme il y a d'épaisseur, on a peut-être dû commencer par derrière. Voilà, vous n'inquiétez pas, on va mettre quelque chose. Alors après pareil, je coupe. Sans couper le filtre à café, ce serait bien. Voilà. Voilà. Et là, comme il nous manque juste un tout petit bout, on va le coller. Ça, non, je colle le mauvais côté, ça va pas le faire. Voilà, il apparaît, on coupe. Ça, faut garder les chutes. Voilà. Et ça aussi, je garde. Voilà. Voilà, par contre, ça a bougé. On va mettre un petit bout, c'est pas grave. Ah, je vais prendre. Hop. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Là, je vais juste ancrer. Vu que j'ai déchiré, ça fait pas joli. Voilà. Hop.
Attends. Ah. Je l'ai pas collé de mon côté. Attends, je reprends un autre. Là. Hop. J'ai pas besoin de remettre de colle. Hop, on va prendre celui-là. Voilà. Bon, je remets parce que force de décoller. Ça colle plus. Voilà, hop. Et je remets un petit peu là. Éviter de trop le bouger. Voilà. Donc voilà ce que ça donne derrière. Vous voyez, on a fait le tour. Bon, là, c'est pour mon terre qui reste de blanc. Je veux pas non plus trop le chercher. Par contre, là, je vous disais, il va falloir nous mettre une fleur. Donc il y a du rose encore. Une violette, ça va pas faire parce qu'on n'a pas de rose. Bon là il a perdu son strass. Si, ça va. Ça c'est là. Cool. Voilà. Je vais juste voilà, déclencher. C'est chaud. Donc voilà, après on va pas non plus trop chercher. C'est pas le but. Alors. Soit bien, on regarde si ça n'a pas collé. Et vous voyez, on voit le papier à l'intérieur, ça fait super joli. Donc, un petit embellissement pour mettre les petits scrabidules, une note ici, une carte, enfin, ce que vous voulez. Juste enlever un petit bout là qui m'embête. J'enlève et voilà. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, on peut faire plein de choses avec filtre à café. Après, vous gardez toutes vos petites choses. Soit, vous voyez, on n'a pas utilisé ça parce que de toute façon, j'avais pas fait gaffe que c'est Vinted, un chabit. Ouais. Croix du Noël au mois de mai, c'est pas grave. L'image me plaisait, donc voilà. Donc voilà, on a envoyé avec les petites fleurs d'action. Ça, c'est le ruban que j'ai trouvé au rayon papier cadeau. La blanche, c'est pareil, c'est au rayon scrap. Le filtre à café. Si vous buvez du café, vous en avez. Et pour l'image, ben, c'est Tonton Ali. Et le papillon, là, c'est ceci.
j'ai trouvé à Teddy. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Bon, franchement, c'est pas ce que je voulais faire à la base. Mais bon. Par contre, il y a une chose qui m'embête. C'est que là, c'est vide. Donc, on va mettre. S'il en reste, ouais. Une blanche. Ah, j'avais bien fait d'en prendre deux. Ouais, alors attendez, c'est débranché. Il devrait être assez chaud. Juste pour mettre un peu de colle. Voilà. Voilà. Ni vu ni connu. Donc voilà. Ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Il y a peut-être. Certains diront qu'il y a peut-être un peu trop de peur. Mais elles sont plates, donc ça va. Et puis, tu aimes chavir. Donc, on s'éclate avec des fils récapés. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous donneront envie d'en faire. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon 1er mai et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye!